Madame Katia Guidouche, bonjour. Bonjour, c'est Camilla Guidouche, bonjour, merci pour votre invitation. Alors, un pays ne peut se développer sans recherche et innovation, la valorisation des chercheurs et de la recherche, une nouvelle vision, des passerelles avec l'université, le secteur socio-économique. Absolument. Donc effectivement, dans la vision de notre secteur, donc le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, et à travers la direction générale de la recherche, on a initié une série de rencontres avec les différents secteurs pour justement valoriser un petit peu ce qui se fait au niveau de la recherche scientifique et le développement technologique en Algérie. Alors, quand vous parlez, c'est-à-dire des passerelles qui sont créées aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que tous les secteurs vous sollicitent sans exception ? Alors, les secteurs, pratiquement tous, ils peuvent avoir en fait recours à la recherche scientifique et au développement technologique. Donc au mois d'octobre, on a envoyé des correspondances à l'ensemble des secteurs, donc environ 31 secteurs. Et donc sur les 31, 21 secteurs ont répondu et sont intéressés par justement les produits et ce que peut proposer la recherche scientifique par rapport à ça. Donc, dans 3 mois, en fait, on a fait pratiquement 21 rencontres avec différents secteurs pour leur présenter un petit peu ce que on peut leur proposer. Mais vous avez des capacités pour intervenir dans tous les domaines. Les travaux de recherche touchent tous les secteurs, sans exception. Alors, quasiment, justement, on s'est rendu compte, en faisant justement ces rencontres-là, que la recherche scientifique, elle pouvait intervenir dans ces différents domaines avec tous les secteurs. Donc on a fait des rencontres, j'ai pas envie de tous les citer parce que c'est important, mais il y avait même des secteurs, par exemple, comme les relations avec le Parlement, avec lesquels on a fait une rencontre, et il y avait vraiment des domaines sur lesquels on pouvait intervenir. Donc notamment la numérisation des questions orales au niveau du Parlement. Donc c'est vraiment des choses peut-être pas extraordinaire parfois, mais c'est des choses sur lesquelles la recherche scientifique peut intervenir. Donc on a environ 1700 laboratoires de recherche, on a une trentaine de centres de recherche, dont 19 qui font partie de notre secteur, et chacun de ces laboratoires ou chacun de ces centres peuvent justement apporter quelque chose, quel que soit le domaine. Que ce soit le domaine, on va dire, sciences et technologies, que ce soit le domaine de biologie, que ce soit le domaine sciences humaines et sociales. Donc on peut vraiment apporter dans tous les secteurs. On a fait des rencontres avec la solidarité également, avec bien sûr dans tout ce qui est entre domaines comme le secteur de l'eau ou le secteur des travaux publics. Donc dans chacun de ces domaines, les chercheurs, qu'ils soient au niveau des centres de recherche ou au niveau des universités, peuvent vraiment apporter ou faire leur contribution. Mais comment sont évalués aujourd'hui ces travaux de recherche pour s'assurer de leur efficacité ? Alors, en ce qui concerne les laboratoires de recherche, on procède effectivement à une évaluation qui se fait tous les 4 ans. Alors, cette évaluation, elle comprend tout ce qui concerne la production scientifique, bien entendu, et on parle là de production au niveau national, mais également la production au niveau international. Et dans ce domaine-là, on a constaté, surtout dans le domaine des sciences et technologies, et surtout dans le domaine de la biologie et des sciences naturelles, qu'on a une production scientifique au niveau international. On a des chercheurs qui sont classés dans les plus grands classements internationaux. D'accord. Sauf que justement, en termes de valorisation de ces travaux de recherche ou en termes d'utilisation par le secteur socio-économique, c'est là qu'il y a un petit point faible. Au cours également de cette évaluation de la recherche, on a, on va dire, promu ou labellisé les meilleurs laboratoires, puisqu'on a promu cette année 20 laboratoires d'excellence qui vont travailler justement, qui a été associé avec des centres de recherche. Mais comment s'effectue cette labellisation ? Alors, elle s'effectue d'abord sur la base, bien entendu, de cette évaluation. Donc une évaluation positive, le fait que depuis, il faut que le laboratoire ait au moins 5 années d'existence. On évalue également leur production scientifique au niveau international et également leur collaboration et les perspectives en termes de collaboration avec le secteur socio-économique. Parce que la plupart ont déjà des relations, ont déjà des produits pour le secteur socio-économique. Et nous, on cherche à les encourager, que ce soit sur le plan financier ou sur le plan équipement. Voilà. Alors, mais pour bien sûr promouvoir les travaux de la recherche et mettre bien sûr, créer cette passerelle entre les centres de recherche ou l'université avec le monde socio-économique,
toute sa diversité, que ce soit dans le domaine par exemple de la sécurité énergétique, dans le domaine par exemple de l'hydraulique ou sécurité alimentaire, ou dans le domaine bien sûr sanitaire avec cette pandémie que nous vivons actuellement. Est-ce qu'on peut considérer aussi que parallèlement vous procédez autrement, c'est-à-dire vous essayez dès l'université à mettre en place certains mécanismes qui permettent la promotion des travaux de la recherche au niveau des universités? Est-ce qu'il y a la promotion des incubateurs pas au niveau de l'université pour découvrir, c'est-à-dire les travaux de la recherche et promouvoir les travaux de la recherche? Absolument. Donc effectivement, la création d'incubateurs fait partie de la nouvelle vision du secteur de l'enseignement supérieur et donc de la direction de la recherche, puisqu'on a donné notre aval, enfin le comité sectoriel permanent a approuvé la création d'une quarantaine d'incubateurs, sachant que certains, c'est bon, donc ils ont ils vont être opérationnels, certains sont déjà opérationnels, et donc le reste aussi, ils attendent juste leur arrêté de création. Mais c'est quelque chose qu'on encourage et ça fait partie de la nouvelle vision au niveau des universités. On est à pratiquement, je vous dis, une quarantaine d'incubateurs qui ont été approuvés par le comité sectoriel permanent. Mais certains sont opérationnels. Quel est le rôle aujourd'hui de ces incubateurs? Alors, comment les promouvoir? Alors, ces incubateurs ont pour rôle, c'est eux qui ont pour rôle, on va dire, d'encourager les jeunes notamment à concrétiser essentiellement aux jeunes chercheurs. Alors, jeunes chercheurs, également étudiants qui auraient des projets, qui auraient des idées innovantes, ce serait effectivement de les encourager et de les aider à concrétiser leur projet. Mais pour l'université, les moyens pour la recherche sont dégagés, tous les moyens sont disponibles actuellement, parce qu'il y a quelques temps, c'était quand même le parent pauvre de tous les secteurs. Aujourd'hui, on prend conscience de l'importance de cette recherche, puisqu'on a vu avec cette pandémie du Covid-19, tout le monde se ruait pour la découverte du vaccin à travers le monde, tous les grands laboratoires et même les États les ont soutenus. Est-ce que nous faisons pratiquement la même chose aujourd'hui? Alors, on fait la même chose. On encourage notamment, durant la pandémie, on a encouragé tous les projets qui concernaient, on avait même fait des appels à projets qui concernaient par exemple la lutte contre le Covid ou la Covid-19, puisqu'on a même financé aussi tous les projets qui concernaient la Covid-19 et qui étaient bien entendu pertinents, donc après évaluation, que ce soit au niveau des laboratoires de recherche, mais également des centres de recherche. Je rappelle également que durant cette pandémie, les centres de recherche, les laboratoires de recherche, quand tout le monde ne travaillait pas, eux, ils étaient présents, ils ont travaillé, ils ont développé beaucoup de produits pour lutter contre cette pandémie, y compris pour les tests, y compris pour d'autres moyens. Donc les chercheurs ont toujours été là et ils souhaitent répondre présent à tous les appels, quel que soit le domaine, pas uniquement dans la Covid-19. Oui, mais pendant la Covid-19, j'ai donné l'exemple, par exemple, oui, du vaccin qui a été découvert par les plus grands laboratoires, parce que la recherche devait agir pour protéger un peu l'humanité. Est-ce que nous avons ce même, c'est-à-dire concept dans tous les domaines, c'est-à-dire prendre conscience que la recherche peut sauver aujourd'hui toute l'humanité? Je pense qu'il y a cette conscience, en tout cas la vision du secteur, ou de notre secteur de l'enseignement supérieur. Dans la politique actuelle, c'est une priorité. Oui, c'est une priorité. La preuve, c'est que même dans les programmes nationaux de recherche, vous l'avez dit vous-même, donc on parle de santé du citoyen, donc c'est vraiment une préoccupation. C'est vrai qu'on a tendance à parler de la Covid, mais il y a d'autres maladies, épidémies, etc., qui sont prises en considération et qu'on cherche là aussi à financer ou à mettre les moyens pour ça. Mais pour la valorisation de ces travaux et leur reprise par le secteur socio-économique, le brevet, c'est essentiel également, et breveté. Oui, tout à fait. Donc là aussi, c'est la tâche, on va dire, de la direction du développement technologique. D'accord. Et elle a pour rôle justement de breveter ou d'encourager les brevets pour valoriser un petit peu et pour protéger les recherches des chercheurs. Ce que nous faisons actuellement, pour la protection de ces travaux de recherche. Oui. Alors, vous intervenez dans tous les domaines sans exception, puisque nous avons vu aujourd'hui qu'il y a des préoccupations majeures qui sont exprimées par l'État au plus haut sommet de l'État, à savoir par exemple la question de la sécurité sanitaire actuellement. Il y a aussi les 3S, comme on les appelle, la sécurité énergétique et la sécurité alimentaire. C'est des secteurs prioritaires pour vous au niveau de la recherche? Absolument, puisque ce sont les trois domaines ou les trois programmes qu'on a lancés cette année, donc en mai 2021. Donc, ce sont les programmes nationaux de recherche qui constitue une priorité. Donc la particularité du lancement de ces programmes nationaux de recherche, c'est que cette année, on a exigé un petit peu dans la réalisation de ces programmes l'obligation d'avoir un partenaire socio-économique et d'avoir des produits concrets ou des livrables concrets. C'est une condition pour pouvoir être éligible et pour pouvoir bénéficier d'un financement qui peut aller jusqu'à 5 millions de dinars.
Mais ces travaux concernent essentiellement ces domaines-là. Vous travaillez en termes clairs avec le secteur de l'agriculture, le ministère de l'Agriculture, celui de l'énergie et de la santé et la production pharmaceutique. Alors les thématiques, en fait, donc vous avez donc les trois grands programmes, et donc à l'intérieur il y a des domaines et des axes. Il faut savoir que ces axes et ces thèmes ont été fixés en partenariat avec les comités intersectoriels, donc avec la présence de l'agriculture, avec la présence de la santé, avec la présence de l'énergie, d'accord. Et c'est pareil pour la sélection. Donc actuellement on est dans une procédure de sélection scientifique, mais par la suite ça va être les secteurs qui vont sélectionner les 50 projets pour chaque programme national de recherche. Alors vous relevez du secteur bien sûr de l'enseignement supérieur au niveau de la direction générale de la recherche qui depuis quelque temps déjà a entamé un certain nombre de travaux, notamment la révision de la loi sur la recherche. C'est important de la réviser dans le contexte actuel puisque nous avons vu qu'hier le président de la République a procédé à la nomination et la désignation des membres composant le Conseil national de la recherche scientifique et des technologies. Oui, ça va de pair. Effectivement. Donc là, on aura des missions, on va dire, il faudra revoir, puisqu'il y aura peut-être des missions qui sont attribuées donc, au CNRST, et donc revoir peut-être les missions qui sont attribuées à la Direction Générale de la Recherche. Oui, mais dans le contexte, cela dénote de l'importance qu'on accorde bien actuellement sûr à la recherche et développement technologique, puisque la technologie avance très très vite. Absolument. Donc, effectivement, c'est l'importance qui est donnée à la recherche scientifique, puisque effectivement, on parle de deux volets. Il y a le volet qu'on a parlé de recherche utile au profit du secteur socio-économique, sans négliger qu'il y a également un aspect qui est développement de la connaissance, actualisation des données, enrichissement de la connaissance, qui est également pris en considération, mais là par justement des chercheurs du domaine. Mais avec la mise en place, bien sûr, de ce Conseil national de la recherche scientifique et des technologies, dont les membres sont connus aujourd'hui, puisque le président a procédé à leur nomination depuis hier, il y a bien sûr le grand professeur Belkacem Mahabba qui y figure. C'est une sorte de reconnaissance de l'effort fourni aujourd'hui par les chercheurs algériens, où qu'ils soient. Bien sûr. Alors ça, c'est la politique, ça a toujours été la politique même de l'enseignement supérieur et du ministère d'enseignement supérieur, puisque quelles que soient les actions, on a toujours impliqué ou intégré donc les chercheurs qui sont à l'étranger dans nos actions. Je donne l'exemple des livres blancs qu'on avait réalisés en 2020, que ce soit pour l'intelligence artificielle, que ce soit pour la sécurité alimentaire, la sécurité énergétique ou la microélectronique. Pour à chaque fois, donc on a bien sûr nos compétences nationales, celles qui ont choisi de rester, celles qui se sont investies et qui continuent à s'investir en Algérie, et on a bien sûr fait appel aux compétences qui sont à l'étranger, qui sont venues avec nous et qui ont contribué, parce qu'eux aussi, ils ont cette volonté d'apporter quelque chose à l'Algérie, et on est content de les avoir parmi nous. Alors, quand vous parlez du livre blanc, est-ce que le livre blanc permet un peu d'indiquer les efforts fournis aujourd'hui par la recherche scientifique? Tout à fait, ce sont les efforts fournis et ce sont les efforts à fournir sur 10 années. Donc je vous donne l'exemple, on avait fait le livre blanc de l'intelligence artificielle avec des actions concrètes sur différents volets, le volet formation, le volet recherche, le volet donc innovation et créativité. Et donc par exemple la création des deux écoles intelligence artificielle et mathématiques, donc c'est à l'issue justement des recommandations qui avaient été faites dans le cadre de cet atelier sur l'intelligence artificielle. Mais quand vous parlez d'intelligence artificielle, on parle de nouvelles technologies aujourd'hui, puisqu'elles évoluent, même au niveau de ce Conseil national de la recherche, on parle également de technologie. Certains considèrent que nous accusons énormément de retard. Est-ce qu'il y a possibilité de les rattraper? Ou alors c'est complètement faux, parce que nous ne connaissons pas réellement ce qui se produit au niveau des universités? Je pense qu'on peut jamais être tout à fait en retard ou totalement en retard par rapport à quelque chose. Je veux dire, il y a des chercheurs qui ont pour vocation de travailler pour le secteur socio-économique à travers le développement de brevets, à travers la fabrication de prototypes, mais vous avez des chercheurs qui sont là pour justement faire évoluer la connaissance. Et nous, on encourage aussi ce type de recherche, c'est-à-dire cette recherche fondamentale qui vise à développer la connaissance dans le domaine technologique ou autre. Donc il n'y a jamais un retard totalement existant. Alors, développer les travaux de recherche, mais la valorisation des chercheurs, c'est encore mieux. Des actions sont engagées en ce sens, pour la valorisation de ces recherches, puisqu'il y a aujourd'hui cette reconnaissance avec l'installation du Conseil national de la recherche scientifique et des technologies. D'accord. Donc, effectivement, au sommet de l'État. Oui, la majorité, justement, de ces chercheurs-là sont des chercheurs de l'université, où, d'ailleurs, vous avez certains qui font partie des laboratoires d'excellence. Donc, c'est pas pour rien que ces personnes-là se retrouvent au niveau de ce Conseil national.
Et donc nous, on encourage toujours, que ce soit des chercheurs au niveau de l'université, que ce soit les chercheurs au niveau des centres de recherche, dans leurs recherches, et on va dire, l'objectif c'est qu'ils arrivent à valoriser leurs produits, parce qu'ils ont des produits, c'est juste que le secteur socio-économique n'est pas encore conscient de ce que ça peut leur apporter. Alors madame Camilla Guidouche, on a parlé bien sûr de l'université qui fait des pas de géant aujourd'hui par rapport à la recherche, les développements des travaux de la recherche, la valorisation à la fois des travaux et des chercheurs, ça va de pair. Pour le secteur socio-économique, est-ce qu'il va falloir être un peu plus offensif, c'est-à-dire aller vers les opérateurs pour montrer les travaux de la recherche pour qu'ils puissent les reprendre, parce que c'est comme ça qu'on valorise un peu les travaux de la recherche? Vous avez absolument raison. Donc effectivement, l'action doit venir de notre secteur et de nos structures de recherche, puisque il y a encore cette absence, on va dire, de confiance envers la recherche scientifique, notamment par le secteur socio-économique, qui ne connaît pas suffisamment ce que peut leur apporter le secteur de la recherche. Alors certains secteurs, notamment le secteur de l'industrie, il y a une forte collaboration avec eux pour le moment, notamment avec à travers la direction du développement technologique. Il faut savoir qu'également, aujourd'hui, on implique notamment l'industrie, le secteur de l'industrie a demandé des chercheurs pour qu'ils soient impliqués dans leur conseil d'administration. Donc ça, c'est une chose, on va dire, assez nouvelle, assez récente, et donc ça peut également apporter beaucoup dans la valorisation des produits de la recherche. Alors vous travaillez aussi avec le secteur, par exemple économique, certains secteurs qui sont aujourd'hui stratégiques pour l'État, comme par exemple la ressource en eau. Oui, parce que nous avons un problème de ressources hydriques avec cette sécheresse que nous avons vécue sur pratiquement 2 années, même s'il pleut ces derniers temps, et également celui des travaux publics. Exactement. Donc effectivement, durant les 2 derniers mois, suite à justement à ces travaux et à ces correspondances qui avaient été envoyées au secteur, on a une première collaboration avec le secteur des travaux publics, puisqu'ils avaient, il y avait, on va dire, un problème majeur qu'il fallait régler rapidement. Notamment c'était un problème de sécurisation de barrage, et là on a mobilisé une quarantaine de chercheurs lors d'un atelier où le problème a été exposé au niveau de ces chercheurs-là. Une semaine après, ils sont allés sur place pour pouvoir justement trouver une réponse à laquelle justement tous les appels d'offres qu'ils avaient fait n'avaient pas eu de réponse. Donc on espère justement que ça, ce sont des actions concrètes qui pourront faire aboutir. C'est pareil pour le secteur des ressources en eau. Donc là aussi, même dans le choix, la sélection des projets de recherche, donc on fait participer le secteur des ressources en eau, les partenaires ou les cadres, dans le choix des projets qui sont une priorité pour eux et non pas pour le chercheur. Mais dans ce contexte-là, est-ce que vous êtes sollicité par les secteurs eux-mêmes ou c'est vous qui proposez vos offres et votre, c'est-à-dire savoir-faire au secteur? C'est un peu les des choses deux. Se font dans les deux sens. C'est un peu des deux, mais disons qu'on a été peut-être plus offensif cette fois-ci en allant directement à la rencontre des secteurs. Vous parliez de valorisation de recherche, donc on l'a un petit peu fait en 3 volets, ce qu'on pouvait ou ce que la recherche scientifique pouvait apporter. Donc on avait ce premier volet où je vous parlais de vision recherche et développement pour chaque secteur. Donc on a proposé à chaque secteur de les accompagner dans leur vision R&D sur 5 ans ou sur 10 ans. La deuxième action, elle va être plus à court terme par rapport à des priorités, donc des projets qu'ils aimeraient avoir. Donc on a eu des propositions de projets. On leur a également proposé ou présenté l'ensemble des projets que nous avions au niveau des universités, au niveau des centres de recherche et qui étaient valorisables. C'est-à-dire qu'on avait des prototypes, qu'on a des solutions et qu'on souhaitait mettre à leur disposition. Donc on leur a présenté l'existant. Et on a également des problèmes d'urgence qu'ils souhaitaient traiter très rapidement. Donc là aussi, on mobilise. D'ailleurs, je tiens à saluer que ce soit les centres de recherche, les chercheurs des centres de recherche ou les universitaires qui, à chaque fois, quel que soit l'endroit dans lequel ils se trouvent, ils viennent, au niveau de ces ateliers, répondre présent à ces appels de notre secteur. Je tiens à les remercier et je leur rends un grand hommage par rapport à ça. Mais pour que ces travaux soient valorisés par les secteurs, il faudrait une homologation impérativement. Puisque nous savons qu'aujourd'hui, par exemple, au niveau du ministère de l'industrie pharmaceutique, on va homologuer certains produits de la recherche pour venir en aide au secteur de la santé. Donc c'est le cas, c'est qu'actuellement, donc, il y a une procédure qui est en cours, toujours à travers la direction du développement technologique, qui sont en train justement, même au niveau des centres de recherche, il y a cette procédure d'homologation qui est en cours. Donc on espère que ça aussi, ce sera une garantie ou une certification qui pourra rassurer le secteur socio-économique par rapport aux produits de la recherche. Alors on a
travers le territoire national, vous l'avez indiqué dans la première partie de l'invité de la rédaction, Madame Camilla Guidouche, c'est que nous avons 1700 centres de recherche à travers tout le territoire national, énormément de recherches qui touchent à tous les domaines, secteurs socio-économiques et de développement également, qui accompagnent un peu aujourd'hui la dynamique de l'État. Mais est-ce que les budgets alloués aujourd'hui au secteur de la recherche sont important ou moins important, puisque certains aujourd'hui disent que le budget alloué ne couvre que les salaires. Il ne permet pas d'aller au-delà, c'est-à-dire de permettre une plus grande réalisation de travaux dans le domaine de la recherche. Alors, avant, ce qui se passait avec la recherche, c'est qu'on finançait, il y avait la création de laboratoires de recherche, on finançait tous les laboratoires de recherche sans exception, systématiquement, sauf que depuis quelques années, on parle de financement par objectif. C'est-à-dire que si vous avez des objectifs bien clairs, et on va financer que des projets concrets, des projets utiles, donc à travers certains comme les projets à impact socio-économique, comme des projets de création d'équipes mixtes, comme le financement de doctorants. Donc on finance des actions bien spécifiques et non pas donner comme ça un financement, on va dire c'est plus raisonnable et c'est plus, plus pertinent. Voilà. Oui, mais est-ce que le budget aujourd'hui alloué couvre un peu les besoins de la recherche également? C'est pour ça que je vous dis, donc tout dépend de la recherche et des objectifs de recherche. Donc par exemple, les laboratoires d'excellence ont un financement important. Donc on est à hauteur de 4 milliards de dinars par an pour chaque laboratoire de recherche, ce qui est conséquent. Il va commencer à travailler au mois de janvier. Donc c'est un budget de fonctionnement où les chercheurs à ce niveau-là, qui ont fait preuve justement d'excellence durant leur dernière évaluation, pourront concrétiser d'autres travaux au profit de chercheurs, de doctorants et du secteur socio-économique. Est-ce que c'est vrai, ce qui est rapporté aujourd'hui, que le budget alloué à la recherche scientifique en Algérie est un des plus faibles au niveau du continent africain, qui ne représente que 0,92%? C'est le cas ou pas le cas? Je ne pourrais pas vous confirmer ou vous infirmer, sincèrement. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous, bien sûr, nous avons vu aujourd'hui, par exemple, les travaux de la recherche qui sont, pour certains d'entre eux, repris par le secteur socio-économique, mais il y a aussi d'autres travaux, par exemple, et c'est le reproche qui est fait, c'est la non-publication de certains travaux au niveau international. C'est plus le cas aujourd'hui? Non, c'est plus le cas. Au contraire, surtout dans des domaines particuliers, je vous ai dit, dans tout ce qui est sciences de la nature et de la vie et sciences et technologies, on a des chercheurs qui publient à l'international, et je vous ai dit, même dans les classements, ils font partie des meilleurs, on va dire, des meilleurs chercheurs. Maintenant, là où peut-être qu'on a un petit retard, c'est par rapport au domaine des sciences humaines et sociales. Donc là, effectivement, on a tendance à ne pas avoir une visibilité à l'international. C'est pas la qualité des travaux qui doit être mise en question, pas du tout, parce qu'on a de très très bons travaux qui sont faits en langue arabe, sauf que en termes de visibilité, puisque la langue internationale c'est l'anglais, il souffre de cette visibilité. Donc il y a d'ailleurs là aussi, on a organisé, il y a une réflexion qui est en cours par rapport à la promotion des sciences humaines et sociales pour justement rendre ces travaux plus visibles à l'international. Alors la tendance aujourd'hui, c'est de promouvoir un peu l'intelligence artificielle, les matières techniques et scientifiques, comme par exemple les écoles d'excellence en mathématiques, mais vous avez aussi certaines filières qui peinent à se développer. Est-ce qu'il va falloir qu'elles disparaissent totalement? Vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit: je suis ingénieur chercheur en textile et cuir, option laine, malheureusement je n'ai pas trouvé de repreneur pour mes travaux de recherche, et cela dure depuis pratiquement une vingtaine d'années. Est-ce qu'il va falloir un peu éliminer totalement cette spécialité ou la maintenir? C'est vrai que nous avons le secteur du textile qui peine dans notre pays. Donc là, j'ai envie de dire que ce serait la direction générale de la formation qui serait mieux apte à répondre à la question. En revanche, s'il a des travaux à valoriser, il sera le bienvenu au niveau de la direction générale scientifique, de la recherche scientifique, et on verra ce qu'on peut faire, il n'y a pas de problème. Entre, c'est-à-dire publier des travaux et les concrétiser de façon effective sur le terrain, ce sont deux mondes totalement différents. Il faut faire la distinction entre les deux. Pas forcément, oui, et alors je vous dis, ça dépend de type de travaux. Je vous dis, il y a des publications qui relèvent de la recherche fondamentale, et donc c'est le développement de la connaissance, et donc ils ne nécessitent pas forcément une application sur le terrain, mais vous avez également des recherches qui peuvent allier les deux, c'est-à-dire une production à l'international, une visibilité à l'international, mais également une concrétisation sur le terrain, donc ça dépend.
Alors, le financement de la recherche, justement, vous avez parlé un peu des fonds qui sont alloués à un certain nombre de centres de recherche. Et bien sûr, vous avez parlé de financement par objectif. Mmh. Les financements, c'est l'équivalent de 4 milliards de dinars par centre de recherche. Si je par me laboratoire, oui. Par oui. laboratoire de recherche, centre de recherche. Oui, oui. Voilà. Est-ce que ces montants risqueraient peut-être d'être revus à la baisse à partir du moment où il a été décidé de supprimer le fonds de la recherche à partir du 1er janvier 2022. Alors là, c'est au-delà, ça n'a pas, ce n'est pas en, ça va pas en, impacter. Non, ça ne va pas impacter. C'est toujours d'actualité. Au contraire, je pense qu'on a un budget assez conséquent pour l'année prochaine, notamment en termes de budget de fonctionnement. Donc, ça ne devrait pas impacter les travaux de ces laboratoires d'excellence avec les centres de recherche. Alors. C'est cette recherche, cette valorisation des travaux de la recherche va permettre bien sûr une dynamique sur le plan économique de notre pays. Les valoriser, ça encore mieux pour leur reprise. Est-ce que ça va diminuer aussi la facture d'importation? Parce que certaines choses peuvent être produites par des Algériens et les centres de recherche algériens. Tout à fait. Donc, parce que nous importons pratiquement tout, non, dans tous les domaines. Effectivement, il y a des choses qui peuvent être produites au niveau donc des centres de recherche et des laboratoires algériens. D'ailleurs, en ce moment, c'est la foire de la production nationale. On a beaucoup de centres qui exposent leurs produits. Et on a vu des prototypes, voilà, par exemple, des drones. Des produits, tout à fait. Un véhicule électrique aussi qui a été fabriqué par un laboratoire de recherche algérien. Oui. Et je vous dis, même parfois, c'est des produits beaucoup plus simples, beaucoup plus, accessibles. Accélérateur d'oxygène. Donc, on les produit, il y a ces prototypes-là. Maintenant, il suffirait justement qu'il y ait cette industrialisation de ces produits de la recherche. Dans le domaine de la sécurité énergétique, avec bien sûr la volonté de développer les énergies renouvelables, oui. Des efforts sont fournis. Absolument. Donc, ils sont conséquents également. Oui, absolument. Donc là, on a le centre de développement des énergies renouvelables qui a pas mal d'unités de recherche déjà. Donc on a bien entendu tout ce qui est développement d'énergie solaire. On a également deux autres unités qui dépendent du centre des énergies renouvelables, notamment un à Gardaïa, où justement il y a une réflexion, donc il y a des panneaux, il y a toute une installation qui a été réalisée pour justement éventuellement développer une agriculture qui est basée donc sur les énergies solaires. Donc il y a un effort conséquent qui est fait par le centre de recherche des énergies renouvelables. Une priorité est accordée à ce centre, puisqu'il s'agit de la sécurité sanitaire, énergétique. Alors là encore, je vous dis, c'est en fonction de leur projet, donc toutes les réflexions, tous les centres de recherche, et nous, ce qu'on cherche, c'est pas uniquement promouvoir un par rapport à l'autre, mais favoriser ce travail collaboratif. Donc on ne va pas favoriser un centre par rapport à un autre. Je vous ai juste donné un exemple dans le domaine des énergies renouvelables. Alors, par exemple, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit « Je mène un travail de recherche sur le thème l'intégration et l'usage des TIC dans le domaine des productions animales dans une université étrangère. Je suis à l'arrêt depuis plus d'une année, faute de bourse. Est-ce que je pourrais revenir dans mon pays, valoriser encore davantage ces travaux que j'ai engagés à l'étranger ?» Eh bien, il n'y a pas de souci, il peut nous prendre contact avec nous. Donc, au niveau de la direction générale, il y a le mail, les emails et les téléphones de l'ensemble des directeurs. S'il veut prendre contact avec moi par email, on peut en discuter sans problème. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous. On va parler bien sûr du Fonds national de la recherche qui sera supprimé à partir du 1er janvier 2022. Est-ce que, par exemple, dans le cadre de la coopération internationale, vous envisagez aussi des financements avec des partenaires étrangers qui parfois contribuent au financement de la recherche, comme avec, par exemple, l'Union européenne dans le cadre de l'accord d'association? Donc effectivement, on a beaucoup, d'ailleurs au niveau de la Direction Générale de la Recherche, il y a une direction spécifique pour les programmes internationaux de recherche. D'accord ? Donc là, on va en général promouvoir tous les appels qui se font au niveau international. Donc à titre d'exemple, rien que par rapport à des programmes tels que PRIMA, qui ont comme priorité toujours, parce que les problématiques de sécurité alimentaire ou de sécurité ou de l'eau, etc., ce sont des problématiques internationales. Donc dans ce cadre-là, l'Algérie participe, les chercheurs algériens participent dans ce genre de programme et bénéficient justement de ces financements internationaux. Mais il n'y a pas que PRIMA, j'ai donné PRIMA comme exemple, on a également d'autres programmes dans les énergies renouvelables, on a d'autres programmes également partenaires socio-économiques comme Algéro-Espagnol, donc et les chercheurs algériens sont intéressés
et participent en général à ce genre de programme. Et la sélection, elle se fait au niveau international. Donc vraiment, ça montre que quand on a 14 projets, par exemple, retenus pour l'année en cours, ça montre bien, retenus, sélectionnés, donc ça montre bien qu'il y a une participation forte de l'Algérie dans ce genre de programme. Alors par rapport à la valorisation des chercheurs, aujourd'hui, il y a une revendication qui est exprimée, c'est que ces chercheurs qui sont au niveau, par exemple, de certains laboratoires de recherche à travers le territoire national, on a parlé de 1700, souhaiteraient accéder à un statut particulier dans le cadre, bien sûr, de la refonte aujourd'hui de la fonction publique, une fonction publique spécifique aux chercheurs, c'est important. Oui, dans la vision justement du secteur d'enseignement supérieur, on commence à réfléchir et on est en train de réfléchir. Enfin, on commence, ça fait un moment qu'on réfléchit justement sur le statut. Professeur Hafida Ourag l'a toujours revendiqué. Oui. On ne peut pas mettre sur le même niveau. Le chercheur en entreprise. Tout le monde. Ce serait vraiment une solution. Donc on a très très peu de chercheurs déjà en entreprise. On n'a même pas 200 chercheurs qui sont intégrés dans les entreprises. Donc là, la solution pour justement ces docteurs ou ces jeunes docteurs, ce serait effectivement d'avoir un statut spécifique de doctorat ou de doctorat en entreprise. Ça pourrait effectivement résorber, on va dire, ce problème de docteur chômeur. Mais 200 chercheurs en entreprise, ça reste quand même infime. Pourquoi cette frilosité à aller en entreprise? Alors, il y a quelques années, vous aviez certaines entreprises qui elles-mêmes détenaient ses propres laboratoires de recherche et qui relevaient de l'entreprise ou du secteur. Aujourd'hui, ils relèvent de là. C'est-à-dire, vous avez cette dualité entre le secteur de l'université qui gère ses laboratoires de recherche et les entreprises elles-mêmes. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, certains ne veulent pas avoir de laboratoire de recherche. C'est le cas ou pas le cas? C'est le cas, il y a uniquement les grands centres. Par exemple, vous aviez El Hadjar, il avait son propre laboratoire de recherche, mais qui relevait carrément du ministère de l'Industrie. Voilà. C'est le cas. Aujourd'hui, c'est géré par le ministère de la Recherche scientifique. Est-ce que ça ne crée pas une dualité entre les deux? Donc, en fait, c'est toujours les. On a très peu d'entreprises. Les travaux publics, ils avaient leur propre laboratoire de recherche. Aujourd'hui, c'est pas le cas, mais nous, on aimerait bien justement faire en sorte qu'on ait soit des laboratoires, parce qu'il y a depuis 2019, on a cette possibilité de créer des laboratoires associés, on a ces possibilités, donc des mécanismes juridiques qui permettent de faire ça, sauf que dans le terrain, ça n'est pas encore le cas. Donc je dis, il y a très peu d'entreprises, c'est les plus connues, on va dire, c'est Saïdal, c'est Leni, Sonelgaz, Sonatra, qui ont leur propre structure de recherche, mais les autres ne croient pas peut-être suffisamment, ils avaient des laboratoires de recherche. Oui, je parle de l'actuel. Qui ont été repris par le secteur de la recherche scientifique. C'est ce qui a créé cette dualité entre les deux. C'est la raison pour laquelle, au niveau des travaux publics, pour certains, ils ont complètement abandonné la recherche ou du moins négligé le secteur de la recherche. Vous avez le même principe pour l'eau, par exemple. Il y avait des laboratoires de recherche qui relevaient du secteur de l'eau. Maintenant, ils relèvent du secteur de la recherche scientifique. Est-ce que cette dualité n'a pas compromis le développement et l'élargissement des laboratoires de recherche en entreprise? Alors, nous, à notre niveau, je vous l'ai dit, donc il n'y a pas... Si un secteur demande la création d'un laboratoire de recherche, on le fait. Nous, Bien entendu. Al-Hajjal, il y avait un laboratoire de recherche qui travaillait, qui prenait en charge le plan de charge de l'entreprise. Je vous dis, les créations d'entités de recherche au niveau d'autres structures, publiques ou autres, c'est possible. C'est possible, sauf que pour le moment, ce n'est pas fait. Mais il y a cette possibilité de créer des laboratoires, soit associés, soit mixtes, même des entreprises entre elles qui voudraient créer des laboratoires. Le mécanisme existe. Ce n'est pas l'exclusivité du secteur de la recherche scientifique. Non. Alors, vous avez cette autre question de l'auditeur qui vous dit, concernant les laboratoires qui n'ont pas acquis des équipements depuis leur création, comment évaluer leur efficacité en termes de produits de recherche? Alors, là, donc, je n'ai pas très bien compris la question. Donc, depuis leur création, ils n'ont pas d'équipement. Bon, ce n'est pas à mon niveau de la direction des équipements. Je ne pourrais pas répondre, sauf si c'est un cas particulier, là aussi ils peuvent nous contacter, mais en général, nous on va évaluer des laboratoires qui ont été créés au bout de 4 ans, c'est-à-dire qu'au bout de 4 ans, on estime qu'il y a eu des équipements qui ont été donnés, et également par rapport à un financement également qui a été donné. Donc je ne pourrais pas, c'est-à-dire que c'est un cas particulier, il faudrait qu'on l'étudie particulièrement. La numérisation et la visibilité, c'est aujourd'hui un de vos objectifs, puisque vous avez mis en place une plateforme numérique.
Absolument. Où sont inscrits tous les chercheurs avec les travaux de recherche. Absolument. Donc effectivement là. Ici et ailleurs. Alors pour le moment, alors ça pourra être ailleurs, c'est pas exclu. Donc mais pour l'instant on va dire que c'est ici. Donc il y a pas uniquement les chercheurs, donc on a effectivement les chercheurs, les travaux de recherche. On a également tout ce qui est justement équipement de recherche. Donc quand vous dites que vous n'avez pas d'équipement, nous dans la logique de la recherche scientifique, on parle de services communs ou d'équipement. C'est-à-dire qu'un équipement, il n'est pas exclusivement pour un laboratoire donné. Ça veut dire qu'un chercheur dans un laboratoire, dans un établissement, peut très bien, notamment un doctorant, peut très bien bénéficier de l'équipement d'un autre établissement, d'un autre centre de recherche. Et je vous le dis, donc, il y a la plateforme Iptikar qui a été également lancée, où il y a une campagne qui a été faite un peu sur tout le territoire national. Bon, le sud, ça va être au mois de janvier. Et là, on est en train de montrer aux doctorants comme quoi, d'une part, ils vont pouvoir financer justement, ou plutôt utiliser les matériaux disponibles sur le territoire national de manière gratuite. Voilà, donc les équipements existent et on est dans la mutualisation plus des moyens. Ça veut dire que si je suis un étudiant je suis à Béchar et je veux bénéficier d'un laboratoire au niveau de Constantine, ou des équipements d'un laboratoire au niveau de Constantine, c'est possible. Les ingénieurs chercheurs, leur aussi valorisation, c'est important. Tous les statuts, nous c'est ce qui nous intéresse, c'est les produits de la recherche. Les chercheurs aussi. Les chercheurs, bien entendu, c'est ce qu'ils font. Voilà, c'est le produit qui intéresse. Voilà. Alors, je voudrais aussi aborder avec vous, par exemple, cette question de l'auditeur qui vous dit, dans le domaine cinématographique également, il y avait par le passé des centres de recherche. Est-ce que vous pensez qu'il est intéressant aujourd'hui davantage les valoriser? C'est vrai qu'on parle de tous les domaines, hein, énergétiques, alimentaires, sanitaires, d'autres aspects aussi beaucoup plus techniques dans le domaine, par exemple, de la sécurité du territoire par rapport aux drones qui ont été réalisés. On parle de l'automobile électrique, mais très peu des domaines culturels. Alors, très peu, mais ça ne veut pas dire que ça n'est pas parmi les secteurs avec lesquels nous avons effectué des rencontres. C'est le ministère de la Culture, bien entendu, parce que on a des labos. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas de centre de recherche. On a 19 centres de recherche pour le moment. On n'a pas un centre qui va spécifiquement s'intéresser à la culture, bien que ce soit des sujets qui sont étudiés au niveau du CRASC à Oran ou au niveau du CREAD à Alger. Mais on a également au niveau des laboratoires de recherche des chercheurs qui s'intéressent à ces aspects-là de la culture. Donc on en a, que ce soit culture, histoire, donc ça, on a des chercheurs qui travaillent sur ces thématiques-là. Alors, Madame Camilla Guitouche, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée et à bientôt. Merci. Et bien sûr, pour votre santé et votre sécurité, portez vos masques. Merci.